Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série. Comment devenir un trader rentable en 2024 J'espère que vous êtes prêt à prendre des notes. On passe tout de suite sur mon ordinateur. C'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble et eh bien si le trading est lié à de la chance ou si c'est vraiment qu'une question de probabilité. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent et moi j'ai toujours tendance à dire que bah non c'est une question de probabilité dans la mesure où voilà on est organisé, on sait ce qu'on fait. Et eh bien le trading c'est plus forcément une question de chance. Le problème c'est que j'ai un petit peu réfléchi la dernière fois en parlant avec un ami et en fait je me suis rendu compte que le trading ça pouvait aussi être de la chance pour une personne qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas de plan, qui n'a pas de management ou qui n'a pas de journal de trading une personne qui n'est pas organisée une personne qui sait pas forcément ce qu'elle fait sur les marchés qui veut juste acheter ou vendre en fonction voilà des mouvements qui sont réalisés par la grande masse bah en réalité c'est que de la chance aujourd'hui cette personne si elle réalise des profits c'est un peu de la chance hein, qu'on se le dise clairement c'est comme du casino mais aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que ces personnes-là ne font pas euh, du trading un métier quelqu'un qui fait du trading un métier c'est quelqu'un qui va organiser son travail qui va mettre en place un plan une stratégie qui aura euh, voilà une stratégie même sur le management sur euh, voilà comment contrôler ses émotions euh, un journal de trading etc., etc et là naturellement cette personne va éliminer le facteur chance et va laisser place donc aux probabilités parce qu'aujourd'hui quand il va prendre position il sait exactement pourquoi il prend la position comment il va manager à quel moment il va sortir etc, etc. Et ça, ça va être uniquement grâce à une stratégie qui a été backtestée sur plusieurs années. Et grâce à toutes ces données, eh bien, il pourra tout simplement anticiper potentiellement les résultats à venir. Donc, si on part de ce principe-là, on comprend que ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question de probabilité, car il va tout simplement utiliser les résultats qu'il a pu obtenir sur les derniers mois, les dernières années. Pour se projeter, donc concernant bah, les résultats à venir. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, eh bien n'hésitez pas à consulter directement la description. Car pour cette occasion, j'ai décidé de vous offrir 5 heures de formation de trading. Donc c'est vraiment une formation complète. Vous y retrouverez énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao